Au début de l'été 2014, SPAC a entamé des travaux de réhabilitation sur le site de l'ancien charbonnage Bonne Espérance numéro 1. Ce site de 14,9 hectares longe la Sambre sur le territoire de la commune de Sambreville. Les travaux concernent la zone ayant accueilli l'ancienne centrale électrique du charbonnage, une fabrique d'agglomérés, des dépendances diverses, ainsi que la zone où était stocké le charbon. Dans un premier temps, SPAC a procédé à la déconstruction de deux bâtiments encore présents sur le site et à l'évacuation de déchets. SPAC a ensuite entrepris la réhabilitation des sols en excavant deux taches de pollution en hydrocarbures. Ces travaux sont toujours en cours, de même que le suivi des eaux souterraines qui consiste à pomper, analyser et éventuellement traiter celles-ci. Une fois les excavations remblayées, SPAC procédera au reprofilage et au nivellement du site afin de permettre l'implantation d'une nouvelle dalle de quai en bordure de Sambre destinée à une future plateforme industrielle, un projet géré par le port autonome de Namur ainsi que la DGO1 du service public de Wallonie. L'ensemble de ces travaux est financé par les fonds européens FEDER et la Wallonie.